Greetings, here is MX Rocker, glad to introduce to you a new promote map combo. This is not a monster map combo V3 because I did not load this time EAA. I've loaded it in the two previous videos, so this is a version without EAA, but of course you can add it in this combo. We will see, of course, Project Balkan, the new one, version 5.4. As you can see, there is no recache navigation. And we have another map called Kosovo. That is, I will show you right now. Kosovo, that is just here. You see the yellow road that is there that I've tested. It's not that bad, it's a V1, so the author of course will increase the quality and the quantity of the map. And now we got all the Balkan and Macedonia, North Macedonia area that is almost full. There are still some empty parts, but it's already not that bad. We have of course Santiago, we have Sud de France, we have Bourges, we have Paris rebuilt, and we have also near Northern Ireland and Ireland. I read here and there that these two maps were not compatible because there were some broken roads. I don't know where are the broken roads. Maybe it's more problem of load order. But it's running. There is also Norwich. We'll have, of course, here Swedish Islands. There is E6. There is Finnmark. On top, there is of course Rust map that is there. There is Polanyi building, Silesia, Raw extended, and the north and the south part. There are Terra Maps map such as Road to Aja and Red Sea map. There is of course the Middle East. There is Sibir, Volga, and the Great Steppe and Road to Aral for Russian maps. And in the south, we have here El Enclaves, these two small parts that are just on top of EuroAfrica version 2.4. Let's see now the load order, how to combine these 48 maps. And you will have 50 maps if you had EAA and Ponte de Amizad that I did not load here in this combo. Here we got Silt version 1, and I came back to Indonesia version 0.1 because the other one is creating recache navigation, so I'm loading this one. So we got new road PT3, new toll gate, new signs, new road buildings, new prefab, map overlay, prefab spec, model 2, Southeast Asia version 0.1 and version 0.1 def, Africa extended, then Java Road Revolution model 2, model 1, and the def map letter B, Southern Region V12 and English city name, the Great Steppe model map def, and this version is version 2.1. We got here the crash fix for Hacto Bay and the English city name also. Road to Aral, then Road to Asia assets, model 2, model and Terra Maps def map, this is version 1.6. Sibir map version 2.5, then the caps fix and the train connection removed, and Volga map version 1.5, model, def, English city name, and Corfu version 1.0.5, model, def, and the promods fix. Promods assets, promods package 3, 2, 1, media map def. And here we have a fix that I've created, the Silt and Promotes fix. Then we get Edition Somalia, the new version, 0.2.1, and he is explaining here what changed. And there is also the Promotes 264 compatibility. Here we got the Middle East assets, then the DEF map, Israel-Lebanon open border, Red Sea map assets, Red Sea map and the Middle East fix for Semaphore. Project Greenland
order 20 and the fix I've created for Project Greenland that is fixing some AI on the map. Project Greenland ferry connection with PM, ProMods, Shetland, Ellen Claves, Jan Mayen 223, BG Plus, the version is 1, and Bulgaria in focus. So this is the Bulgaria in focus BG Plus version. There is another one. So don't make the mistake when you will. Okay, there is one here called Global and one is BG Plus. So load the BG Plus edition. Macedonia rework materials and assets, then map and definition with ST for special transport. If you get the DLC special transport, if you don't get, load this file that is there. Here there is a fix for PG and Macedonia. Then there is Kosovo version 1, and we get Project Balkan assets, map, def, and there is a fix also I've created. It's fixing a folder that is missing, and you can then load it and load it there. Project Balkan English city name by Jerry. So Jerry, my friend, sorry, I will have to explain to people to open your archive and modify the manifest file because I haven't seen the new edition, or maybe you are preparing it. So at this day, we will use this one that was done for 144, but nothing changed. And so you have to modify the manifest file to make it work. If not, you will have a red point here. Ireland map version 0.11, then we get Northern Ireland and Norwich 2.0 final. Finnmark 146, project E6 and E6 replacement ferry. Western Estonia, home in Palermo, ProMods edition. There are two versions, as you can see here. Berlin rework that you have to place below Poland rebuilding. If not, you will have a broken roads in Poland. So Poland rebuilding assets, model, map, def, the fix, and the special transport. Load the special transport only if you get the DLC. Silesia version 1.2.0, so this is the new one. Rust map, model, model 2, map, def, and Kirov. Then we get Raw Extended. So the free version has only main 4, main 3, main 2, main 1, and core files. And the paid version has one more file here called main 5. Then we get the English city name, the SAGE add-on, and his English city name also, road connection to southern region, the full hybrid road connection that is covering ROEX, RISMAP, promotes Poland rebuilding, and southern region also. Project Caucasus and Project Caucasus map combo fix. And then we get EuroAfrica version 2.4 IP New Year edition. There is the no ferry at all. Feel free to load it or not. Or there is another one that will allow you to travel from Europe to Africa only. And there is the EuroAfrica Ellen Claves Connect. Then we get Paris Rebuilt 3.2, Santiago de Compostela, Sud de France, Italy Vamp, Bourges, and there is Swedish Islands 1.10, because 1.02 is only for non-promodes. Swedish Islands fix, Cybermap time zone fix, and Belarus time zone fix. ETS to All Worlds Maps 272 plus EAA. Of course, you can load this one, for example, that will remove EAA map. And there is a full screen world map to get your map 100% sized. Here it is for this map combo. I will wish you happy kilometers, happy miles. And thanks for watching this video. Thanks to give me thumbs up. And thanks to subscribe to my channel if it's not done. See you soon. Ciao. Salutations, c'est MX Trucker. Heureux de vous présenter ce nouveau map combo. Alors on va pas dire que c'est un monster map combo. On dira simplement un méga.
ou un big ou je sais pas, un truc comme ça, dans la mesure où je ne charge pas ici la carte de EAA du Brésil que j'ai déjà présentée dans les deux précédents combos. Par contre, on va quand même avoir des nouveautés et pas des moindres, puisqu'on a Project Balkan en version 5.4 et le Kosovo. Donc, comme vous le voyez, ce combo charge rapidement. N'y a pas de rocage de navigation. Donc, comme je vous l'ai dit, donc voilà, dans cette version, il n'y a pas EAA, mais ceux qui veulent jouer EAA, vous pouvez aller voir le combo 212 ou 213, et puis vous verrez comment il se place. Donc les nouveautés, eh bien, elles sont là, avec donc le Kosovo, le nouveau Balkan, on a la Macédoine du Nord également. Donc le Kosovo, c'est cette petite partie qui est là, et qui vient se greffer donc sur la Macédoine. Et puis bah sinon on a quand même plein d'autres cartes. On a notamment Sud de France par Charlie, on a Santiago, on a Paris-Rémulte, on a Bourges, on a en Irlande donc la carte Irlande, la carte Nir et la carte Norwich. Alors il y en a plein quand même, hein. Ici on a Swedish Islands. Il y en a une encore qui est cachée, là, que je cherche. Ici, on a Western, je ne sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs, magnifique. Alzheimer, quand tu nous tiens. On va avoir la carte E6 et puis le E6 Ferry. On va avoir Finnmark. On a bien évidemment Rusmap. On a bien évidemment Roe Extended. La Pologne, Silesia. Enfin, vous voyez, il y en a quand même un paquet, hein, de Great Steppe, le Sibir, voilà, toutes les cartes russes. Ici, on a Rotoasia, là, on a Rhétie, on a le Middle East, on a Corfou, que je vois ici, on a, comment elle s'appelle, Helen Claves, avec les deux petites îles qui sont là, qui se trouvent désormais juste au-dessus, donc de Heure Africa en version 2.4. On va aller voir les 48 cartes de ce map combo tout de suite dans le mode manager. Donc vous voyez, même si c'est pas un monster, comme je l'avais nommé avant, il y a quand même 48 cartes, ça commence à faire du monde. 117 modes, 117 cartes, et on commence ici avec Silt 1, Indonésia. Alors Indonésia, je reviens à la version initiale 0.1, puisqu'on a du rocage navigation sur la dernière édition. C'est plutôt emmerdant parce que ça met longtemps quand même à charger, surtout s'il y a EAA, alors que là, ben, on n'a plus de problème. Donc le fichier Road PT3, le New Tollgate, le New Signs, New Road Building, New Prefab, le Map Overlay, le Prefab Pact, le modèle 2. Ici, on a Sosistasia version 0.1 et le 0.1 Def. Juste au-dessus, on a Africa Extended. Alors, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, hein, mais il se trouve tout au sud, au niveau du Nigeria notamment. Java Road Revolution modèle 2, modèle 1 et le Def Map avec la lettre B. Le Southern Region en V12 avec son English City Name. The Great Steppe modèle Map Def, il s'agit donc de la version 2.1. Le Crash Fix de Actobe. Le Great Steppe English City Name et le Rotoaral. Rotoasia Assets, modèle 2, modèle et le fichier DEF en version 1.6, Sibirmap 2.5, le CapsFix et le Train Connection Removed, Volga 1.5, modèle DEF et le English City Name, Corfu and the Cook Islands, modèle DEF Map et le Promode Fix. En parlant de Promode, les voici. Package, Package 3, Package 2, Package 1, Media Package, Map Package, Definition Package. Donc mon Definition Package est défini avec le ST, c'est-à-dire Spécial Transport, parce que j'ai le DLC Spécial Transport. On va y revenir un petit peu plus tôt, vous verrez pourquoi. Ici, on a un fixe entre Silt et Promode, donc c'est un nouveau fixe à la version 2, donc que j'ai recréé, qui corrige un petit problème qu'il y avait en Italie. Addition Somalia, il s'agit ici de la nouvelle version 2.1, enfin 0.2.1. On a le Middle East Assets Package, le Def et Map Package, Israel-Libanon Open Border, Red Sea Assets
et le Red CIMAP, donc en version 1.4.3, suivi de son fixe qui corrige un problème de feu tricolore. Mais visiblement, on envoie des messages. Project Greenland 0.2 et le MX Trucker Fix Project Greenland qui corrige un problème avec des remorques. Project Greenland Ferry, puis on a ici Shetland, Ellen Claves, Ellen Clave, enfin ici c'est marqué Ellen Claves, et puis là Ellen Clave, Yann Mayen en version 2.2.3, BG+, et Bulgaria InFocus, donc le Bulgaria InFocus est la version 0.7, et soyez bien sûr de mettre celui-ci, Bulgaria InFocus, BG, parce qu'il y en a deux. Dans l'archive, voilà, il y en a un qui s'appelle Global et l'autre qui s'appelle BG+. Donc soyez sûr de bien mettre le bon. Macedonia Rework Material et Assets, le Rework Map. Ici, donc le Spécial Transport Définition. Donc si vous n'avez pas le DLC Spécial Transport, chargez ce fichier-là. Voilà, il n'y a pas les lettres ST. Macédoine et Bulgarie fixe, puis la carte du Kosovo. Project Balkan Assets, Map, Def, et j'ai également créé un fixe qui corrige un crash qu'il y a dans deux villes du nord, je ne me rappelle plus les noms, il y a Tirano ou Tirané, et puis l'autre ville, je ne me rappelle plus du nom. Enfin voilà, avec ça, il n'y aura plus de crash. Project Balkan English City Name, alors ça c'est le fixe qu'a créé Jerry pour la version 1.44, alors vous allez avoir un point rouge par défaut ici, donc vous double-cliquez sur l'archive, il y a un fichier à l'intérieur qui s'appelle manifeste.sii, vous l'ouvrez avec un éditeur de texte, bloc-notes par exemple de Windows, ça suffit largement, tout en bas vous verrez version compatible 1.44, vous changez 1.44 par 1.46, vous sauvegardez et le tour est joué. Ça marche voilà, pour certains modes, hein, pas pour tout. Irlande map en version 0.11, Northern Ireland Rebuilding Beta, on a ici la version 0.3, Norwich en version 2, Finnmark 1.46, Project E6 et E6 Replacement Ferry, Western Estonia, Home in Palermo, il s'agit bien de la Promode édition, vous voyez, il y a deux versions, donc celle-ci c'est pour Promode. Berlin Rework à placer en dessous de Poland Rebuilding, sinon vous aurez des routes cassées en Pologne. Assets, Model, Map, Def et le fixe, et le Spécial Transport, alors utilisez le Spécial Transport, là aussi uniquement si vous avez le DLC Spécial Transport, sinon ne le mettez pas. Silesia en version 1.2.0, nouvelle version aussi, RusMap, Model, Model 2, Map, Def, pas de changement, c'est la même version, Kirov, puis ici nous avons Re-Extended, alors ici en version payante, elle existe aussi en version gratuite vous n'avez pas ce fichier là qui s'appelle Main 5, il est uniquement dans la version payante, l'ordre est le même dans tous les cas, Main 5, puis Main 4, 3, 2, et puis le corps, voilà le fichier central, principal, l'English City Name, AZGE add-on avec son English City Name et la route connexion vers le Southern Region, le Full Hybrid RC qui est une route connexion de Roex, Rusma, Promode, Poland Rebuilding et Southern Region, Project Caucasus, le map combo fixe, Eurafrica en version 2.4 édition Happy New Year, Eurafrica No Ferry Atoll, alors c'est optionnel, hein, mais voilà, ça vous supprime ici toutes les connexions de ferry de l'Afrique vers l'Europe et de l'Europe vers l'Afrique. Ici, ça supprime uniquement de l'Afrique vers l'Europe. Donc voilà, c'est optionnel, mais on n'est pas dans un jeu de bateau, on est dans un jeu de camion, donc autant rouler. Eurafrica El Enclaves Connect, donc là, ça permet de rejoindre les petites îles espagnoles. Paris Rebuild 3.2, Santiago de Compostelle, Sud de France, Itarivamp, Bourges, le Swedish Islands en version 1.10, faites pas l'erreur, la version 1.2 qui est ici n'est pas pour Promode, puis le Swedish Islands Fix, le Siber Time Zone Fix et le Belarus Time Zone Fix, le ETS de Allmap, alors là j'ai mis la version avec EAA, mais vous avez par exemple ici, vous l'aurez dans mon tableur, hein, la version sans la carte EAA, et puis le full screen warm-up pour avoir la carte en plein écran. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, je vous souhaite de joyeux kilomètres,
N'hésitez pas à venir sur mon Discord si vous avez des questions. Merci de m'accorder également des pouces positifs pour cette vidéo. J'en ai besoin pour avoir de la visibilité sur YouTube. Merci de vous inscrire, de souscrire à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Ciao!